La sténose pulmonaire du chien est une malformation cardiaque congénitale fréquente. L'échocardiographie et le Doppler sont des examens importants pour le diagnostic et le pronostic. Cette malformation se situe à la base du tronc pulmonaire, vaisseau qui permet au cœur d'envoyer le sang non oxygéné vers les poumons. La sténose, ici en vert, est un obstacle à l'éjection du sang vers les poumons. L'échocardiographie permet, en réalisant plusieurs coupes, de visualiser précisément les structures cardiaques en mouvement. Lors de sténose pulmonaire, le flux sanguin, flèche violette, va rencontrer un obstacle au moment de son éjection, ici schématisé en vert. Cet obstacle, ou sténose, est bien visible sur une échocardiographie en mode bidimensionnel. Sur ce jeune chiot de 4 mois, adressé au CHV Frégis pour souffle cardiaque, l'obstacle sur le tronc pulmonaire, surligné en vert, est bien visible. Le Doppler couleur permet de visualiser le rétrécissement du flux sanguin qui devient anormalement turbulent et rapide à cause de la sténose pulmonaire. Vous venez d'acquérir un chiot. Sans délai, faites-le ausculter par votre vétérinaire. Si un souffle est identifié, n'attendez pas pour demander une consultation de cardiologie.